La douleur sciatique se produit lorsque le nerf sciatique est irrité, et que la personne qui en souffre ressent une violente douleur qui part de la partie basse du dos, jusque dans les jambes, voire dans les pieds. Cette douleur n'est souvent pas uniquement le résultat d'une irritation du nerf sciatique. Elle conserve néanmoins le nom de sciatique, ou d'attaque de sciatique, car elle est très similaire. L'irritation du nerf sciatique se produit lorsque celui-ci est comprimé sous l'effet d'une pression excessive. Les principales causes de la douleur sciatique incluent notamment la sténose du canal lombaire, le syndrome piriforme, une fracture, une tumeur ou la grossesse. Les personnes qui souffrent de sciatique ressentent une intense douleur qui peut les empêcher de réaliser de nombreuses tâches au quotidien. Cette douleur s'accompagne souvent d'altérations de la sensibilité de la peau qui entoure le nerf sciatique, de faiblesse musculaire et de diminution des réflexes musculaires également. Nous vous proposerons donc, ci-après, 8 manières de combattre la douleur sciatique de façon naturelle, pour en finir avec cette pathologie. 1. L'acupuncture. Une étude récente a été publiée dans la revue de médecine traditionnelle chinoise. Elle révèle que dans un groupe de 30 personnes ayant reçu un traitement d'acupuncture, 17 d'entre elles ne ressentaient plus du tout la douleur, alors que 10 autres ont senti une amélioration des symptômes grâce aux aiguilles utilisées dans cette technique médicale. 2. Le yoga. Dans une étude récente, il a été prouvé que des personnes qui souffrent régulièrement de douleurs sciatiques, et qui pratiquent du yoga pendant plus de 16 semaines, connaissent une réduction de leur douleur de 64%, et de 77% de leur handicap. 3. Les massages. Les massages sont une excellente option pour relâcher les muscles et combattre les douleurs associées au nerf sciatique. Dans ce cas, l'idéal est d'utiliser une huile essentielle relaxante, et de se concentrer sur les zones touchées par la douleur, en faisant attention à ne pas exercer une pression trop importante qui pourrait aggraver le problème. Lisez également, quels sont les bienfaits des massages? 4. Les analgésiques et anti-inflammatoires, qu'ils soient naturels ou d'origine pharmaceutique, les analgésiques et les anti-inflammatoires peuvent être très efficaces dans le traitement de la douleur sciatique. Ce type de traitement peut soulager la douleur pendant 8 heures, et peut être consommé jusqu'à 2 jours de suite. Si vous utilisez un traitement d'origine pharmaceutique, n'abusez pas des pilules qui vous sont données, car elles peuvent avoir des effets secondaires indésirables. 5. L'application de chaleur. Une bouillotte, ou un gant de toilette chaud, peuvent être très efficaces pour traiter la douleur sciatique. Une autre option peut être d'appliquer une compresse chaude sur la zone touchée, et de la laisser agir durant 20 à 25 minutes. 6. L'application de froid. Les compresses glacées peuvent également diminuer significativement la douleur sciatique. Pour profiter des bienfaits de cette thérapie, vous devez appliquer la compresse dans la zone lombaire, ou la zone touchée, pendant 10 à 15 minutes. Ce traitement aidera à réduire l'inflammation et la douleur pendant quelques temps. Vous devez toujours appliquer de la glace enveloppée dans un linge, et non pas la poser directement sur la peau. 7. Les plantes aux propriétés anti-inflammatoires et analgésiques peuvent être d'une grande aide dans le traitement de la douleur sciatique. Parmi ces plantes, vous pouvez choisir entre les suivantes: le gingembre, le curcuma, le poivre, le bouleau noir, la laitue sylvestre, la rue 8. Les exercices physiques. Même si les patients qui souffrent de douleurs sciatiques peuvent se reposer pendant 2 jours pour se soulager, le meilleur moyen de lutter contre cette douleur est de pratiquer des exercices et des mouvements qui fortifient le nerf sciatique. Lorsque les muscles et les structures de la colonne vertébrale ne sont pas sollicités, ils s'affaiblissent et perdent leur capacité à soutenir le dos. Il devient donc plus difficile de traiter ce problème, et cela peut s'aggraver au fil des années. Les exercices pour diminuer et combattre la douleur sciatique doivent inclure un plan d'étirement qui travaille particulièrement les zones touchées, en plus d'une bonne session d'exercice aérobique. Marcher est un excellent exercice pour réduire la douleur dans la partie basse du dos. Son impact est léger et il travaille parfaitement la zone généralement touchée par ce problème. Lisez également, les bénéfices de 30 minutes de marche tous les jours. Il est très important que les exercices de traitement de la douleur sciatique se réalisent sous la supervision d'un expert,
car ils doivent être exécutés correctement pour que la condition du patient ne s'aggrave pas. Un mauvais mouvement, ou de mauvaises postures adoptées durant l'exercice, peuvent aggraver lourdement le problème initial. 6 façons dont votre routine quotidienne aggrave votre mal de dos. Le mal de dos est l'une des principales causes de handicap. Nous ne portons pas assez d'attention à notre santé et à notre colonne vertébrale. Lire plus Let's Block ADS. Why?